J'avais même pas que l'armure était dans KH2. Encore des mobs secrets que j'ai ratés à l'époque où j'avais pas internet. Bah, l'armure, c'est un peu le boss ultime, quoi. C'est un peu le boss ultime. Oui, c'est que dans le 2.5, par contre. On peut peut-être en tenter un autre que Xaldin. Hein. Du coup, je connais pas Cage, mais je suis hypé de l'armure par pure contradiction. Merci, Vente. Quel bâtard. Oui, c'est pour ça, Lynchana. On va essayer Sykes. En même temps, logique, l'autre jeu n'était pas sorti. Oui, c'est pour ça. Sykes, il est particulier, c'est-à-dire qu'il est plus ou moins invulnérable tout le temps, sauf si j'utilise sa commande réaction. Mais il faut un contexte pour l'utiliser. Et ce contexte, il est assez chiant. Il va lancer son épée à des moments. Il faut que je récupère son épée et que je le tape avec. Mais c'est chaud. Voilà. Regardez, il y a son épée qui est posée par terre à des moments. Il faut que je la récupère à temps et elle reste pas très longtemps. Et sinon, il me démonte, hein. Là, je peux pas l'attaquer. Pendant tout le temps où il est en furie, et où il fait cette attaque-là, notamment, il faut que je trouve une opportunité de pas être loin de son épée quand il la pose, et de la récupérer. Je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu. Je l'ai eu. Et là, boum, je le tape. Et il est vulnérable. Et là, je peux le taper. Sauf que pas très longtemps. Donc ça va être un combat très long. Non, je lui fais rien. Je l'ai pas eu. Faut être concentré, hein. Putain, j'étais à côté. Et là, je peux juste rien faire. Oh là là. Je suis désolé le chat, hein, j'essaye de vous rattraper quand je peux, mais c'est compliqué. Je suis un enfant pour ce genre de truc. À propos de quoi, Tojido? J'arrive pas à la choper, sa putain d'épée, c'est super dur.
Il y a un timing si précis. Allez, viens. Encore ! Putain ! La hype par contradiction. Vas-y. Encore ! Oh, je l'ai eu. Je l'ai eu deux fois. C'est si court le laps de temps où je peux le taper. Oh, je l'ai eu. J'ai raté mon coup, putain, fais chier. À l'aide. Salut Billy, comment ça va? Il est là finalement le Billy. Oh oh. Je suis dans la merde. Et merde. Oh là 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 là, c'est dur. C'est dur, mais je pense que c'est pas le plus compliqué. Faut juste être concentré très longtemps, quoi. Faut être concentré très longtemps et saisir les bonnes occasions. Mais je pense que c'est faisable. Allez, Sykes. You're mine. J'ai pas pris la bonne fusion, c'est génial. Bravo Arnaud. T'es un petit champion. C'est pas grave. Ok. Je fais n'importe quoi. Putain, je l'avais là. J'ai pas la bonne fusion encore.
J'ai mis ce clic. J'annule, c'est pas la peine. C'est un combat qui est très mal parti. Putain, mais l'aura autour de son épée à chaque fois, ça me laisse pas le temps d'aller la chercher, quoi. Ok. Putain, elle reste tellement pas longtemps dans ma main en plus de ça. Je suis sûr qu'il y a des strats que je connais pas. J'arrive pas! Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est timé à la seconde de cul. Je sais pas si ça se voit bien à l'écran. Ok. Je l'ai eu. Ouais, mais j'irai peut-être voir sur KH Destiny si je repère, ouais. Oh putain, je l'avais eu! Deux fois! Allez, viens. Putain, mais c'est pas possible. Pourquoi il la prend pas? Je l'ai eu. Allez, prends cher. Ok. Ok, salut Barbu! C'est gentil de faire un coucou. Désolé pour le cul. Écoute, ça va bien, mais je me fais un peu arracher la tête. Hein. On passe mytho. Je galère. Oh, je l'ai eu! Allez, bouffe, 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 bouffe. Ok, il a perdu un peu.
Je le tiens. Je le tiens pas. Allez, viens. Oh là 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 là. Là, ouais, t'as vu la barre de vie, elle est un peu costaud, barbu. Hein. Je suis en sueur. Aïe, non. Oui. Allez, mon pote. Bouffe. Ok, il a perdu quelques barres de vie, ça fait toujours plaisir. Faut rester concentré, faut rester sur cette lignée. Ça, on esquive. Quand il a arrêté, on le charge. Il reprend ses attaques. J'ai raté mon coup. Et merde, il la relance. Ok. Ah ! Bouffe. Oh, ça a pas marché, il a lancé son attaque avant que j'ai eu le temps de le taper. Je suis où? Qui suis-je? Où vais-je? À l'aide. La fusion est bientôt finie en plus. Merde. Allez, cette fois, je te tiens. Ok. J'aurais dû le taper. Dommage. Je fais un petit Arnoux tout à l'heure, juste après le combat, Vente. Là, c'est un peu compliqué. Merde, je pensais l'avoir. Je l'ai pas eu. Oh, quel enfer! Quel enfer du cul! Je ferai tout ce que vous me demandez après le combat! Non, ah non, c'est pas juste, je l'avais eu. Il a lancé son attaque spéciale au mauvais moment. Encore? Putain. Oh, y a la musique du tryhard en plus qui est partie par barbu. Si jamais je réussis pas, t'inquiète que je le fais. Il enchaîne avec cette attaque que je peux pas parer. Ou alors peut-être que je peux, mais je sais pas faire. Calmez-vous avec les commandes, je peux pas tout faire, ça sert à quoi de les spammer 10 fois? Arrêtez. Anecdote gaming, mais sans déconner. Non mais, putain, à chaque fois que j'y arrive, il me fait ça, c'est pas juste. Toi-même, tête de cul. Oh,
Putain, j'y arrive pas, c'est dur. Ok, on reste concentré, il lui reste 5 barres de vie. C'est complètement gérable. Sauf s'il spam. La musique des tryhards, c'est quoi? J'ai même pas entendu. La musique du tryhard, ça veut dire que je mets une playlist de musique épique pour m'aider à gagner. Si en plus il est codé avec le Q et qu'il spam une attaque où je peux pas l'attaquer, c'est pas possible. Toi-même, tête de cul. Voilà, c'est ma faute. J'aurais dû essayer. Là, j'ai raté. J'ai raté trop de fois. Oh, c'est bon, je l'ai eu! Ok, je lui ai fait un peu mal. Je trouve que c'est trop facile, l'adversaire devait pouvoir regagner des points de vie. Mais tu déconnes! A l'aide, Barbu, dis pas ça! Imagine, il le fait! Je suis au fond du gouffre, moi! Ok. J'ai pu récupérer ma fusion. Ok. Oh, j'en peux plus de Sykes. Il est si long. À la place des points de vie, c'est la furie qui augmente. Mais oui, mais à une vitesse de ouf. Ma fenêtre d'action, elle est tellement basse. Surtout quand je rate son épée. Et quand je le rate lui, c'est encore pire. Allez. Allez, fais ton attaque spéciale, je sens que tu vas la faire. Oh! Allez, bouffe, 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 bouffe. Le plus possible. Ok, pas mal. Il a pas mal descendu. Ma fusion est bientôt finie, c'est dommage. J'aurais pas été très performant. Reste concentré. Ça me ferait tellement chier. Je vais me taire. Je vais me taire. Je finirai pas cette phrase. Je connais mon karma. Je finirai pas cette phrase.
Heureusement que je peux voler, hein. Là, 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 quel combat de ouf. Pourquoi il y a un dingo? Parce que c'est Kingdom Hearts, Billy. C'est le meilleur jeu. Donc, il y a dingo. Putain, mais Donald, il meurt de crise cardiaque toutes les 2 minutes, quoi. Il sert à R. À part à m'aider à fusionner, il sert à que dalle. J'arrive à rien. Allez, attaque-moi. J'ai envie de crever. Donald est inutile de fou, il me gavait trop. Ah là, à part m'aider à fusionner, il sert à que dalle. Hein. Du coup, je suis obligé de le soigner de temps en temps pour pouvoir fusionner, parce que s'il est mort, je peux pas. Non, 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 non. Non, 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 non. Reste concentré. Tout va bien. Panique pas, Noriku. On revient à la normale, tout va bien. Oh, je l'ai raté. J'avais l'épée, je l'ai raté. J'ai fusionné. Y'a que comme ça que je fais des réels dégâts. Oh oui. Oh non. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Allez, bouffe. Allez, s'il te plaît. Allez, 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 allez. Yes. Oui. Putain, let's go. Je sais pas depuis combien de temps je suis sur lui. Incroyable. Ne lis pas ce message, concentre-toi. Oh là 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 là. Allez, ça dégage. Ouh, merci pour les GG. J'ai gagné un bonus défense, je vais le bouffer, mais instant. Et un de moins, mesdames et messieurs. Alors... qu'est-ce que j'ai loupé? Parce que du coup, c'est compliqué de vous lire. J'ai vu plein de récompenses de points de chaîne qui sont passées parce que vous êtes des gros trolls. D'abord, on a Arnoux, bien sûr. On a Arnoux. Bonjour, Arnoux. Comment vas-tu, mon cher Arnoux? Est-ce que t'es content qu'on ait battu Sykes, le putain de relou? Merci pour les GG, vous êtes adorables. Merci beaucoup. Regarde, Arnoux, dans cette, ce côté. Regarde, il y a Erwan qui envoie des cœurs. Il est mignon. Merci. Merci. Oui. Mouah. Alors attends, c'est... attends, Tojido, attends, 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 parce que des anecdotes d'astronomie, il y en a plusieurs. Déjà, j'ai une hydratation. Voilà. J'ai un redresse-toi. C'est un raton laveur, exactement. C'est l'icône de la chaîne. Il y a eu des étirements. Il y aura une musique du tryhard pour le prochain boss que je taperai. J'ai une anecdote gaming et une anecdote d'astronomie. Ok. Une sorte de rat, mais ça va pas, Barbu. Alors, on a déjà l'anecdote gaming demandée par Venteraqua en plein combat, mesdames et messieurs. Petite pause lecture. Nous sommes, je vous rappelle toujours, pour celles et ceux qui suivent, dans les années 1976-82. Oh, bah déjà, on a une très jolie photo de l'Atari 2600 et de... comment ça s'appelle déjà? Le Fairchild Channel, voilà. Deux consoles dont on a parlé la dernière fois. Est-ce que vous les connaissez? C'est pas un rat, c'est un raton laveur. Bah ouais, un raton laveur.
Et l'anecdote du jour portera sur les jeux vidéo de poche avec Microvision et Game & Watch. C'est une très vieille console Air One, c'est pour ça. En 1979, la portabilité devient le mot-clé de toutes les industries technologiques. Cette année-là, Sony invente le Walkman, un baladeur à cassette révolutionnaire qui a marqué son époque. Tandis que naît au Japon NTT, le premier opérateur de téléphonie mobile commercial. Les jeux vidéo sont alors déjà entrés dans les maisons, grâce aux consoles domestiques. L'étape suivante va consister à rendre ces dispositifs portables. Nintendo a été l'une des premières sociétés à y penser, avec ses fameuses Game & Watch, des jeux électroniques de poche exploitant un mini-écran à cristaux liquides monochrome, fonctionnant sur le même principe que les montres digitales. Le gameplay se limite à déplacer des personnages sur l'écran et à trouver le bon tempo pour leur faire accomplir des actions précises. Dans Fire en 1980, il s'agit de faire rebondir des personnes fuyant un immeuble en feu sur un filet afin de les conduire saines et sauves dans une ambulance. La difficulté réside dans la capacité à coordonner les rebonds de toutes les personnes qui, l'une après l'autre, sautent de l'immeuble. D'autres sociétés comme Epoch, Coleco, mais aussi Nintendo, créent ensuite des mini-arcades qui évoquent tout à la fois la forme, le mode de présentation et les noms des plus fameux jeux vidéo des salles d'arcade. Il s'agit pour l'essentiel de petits appareils électroniques imitant les bornes d'arcade mais très limités, notamment en matière de graphisme. Malgré le succès connu jusqu'à la fin des années 80, ces systèmes ne peuvent être considérés comme de véritables consoles puisqu'ils ne sont pas programmables. La Milton Bradley Company, la fameuse MB, est une entreprise éditrice de jeux et surtout des jeux de société qui, dès 79, crée la Microvision, une console portable qui fonctionne à partir de cartouches interchangeables. Grâce à ces deux caractéristiques, portabilité et possibilité de changer de jeu à partir du même dispositif, elle est considérée comme la première véritable console portable. Malheureusement, cette exploitation ne remporte guère de succès du fait des dimensions réduites de l'écran et de la pauvreté de la ludothèque avec 13 titres seulement. C'est fou ça. C'est pas la Game Boy la première console portable, c'est la Microvision, qui ressemble à ça. La première console qui avait des cartouches interchangeables. J'arrive pas à parler, putain! Des cartouches interchangeables. Blablabla. On n'a pas encore parlé de la Vectrex, Barbu. Enfin, si, peut-être, je sais plus. Voilà, c'est très vieux. C'est très très vieux. Est-ce que vous avez déjà vu des Game & Watch ou joué à des Game & Watch? C'est génial. Je me souviens qu'il y avait une compile de jeux Game & Watch qui était sortie sur Game Boy Advance, il me semble. Avec tous les Game & Watch de l'époque, c'était cool. Coucou Lifranox, bisous Lifranox, love Lifranox. C'était Tron. Mais oui, un peu, hein. Le Walkman tellement ouf, mais oui. Fallait qu'il reste droit, sinon ça marchait pas. Oui, je me souviens, j'avais ça aussi. J'avais celui avec la pieuvre. Je le connais, celui avec la pieuvre, il était cool aussi, hein. Moi, je me souviens du jongleur qui jonglait avec des balles. Il fallait avoir un timing avec les balles et tout, c'était cool. Certains avaient des Game & Watch repliables. Je bavais devant celui du jardinier contre les plantes carnivores. Oh oui, je le connais celui-là. Merci pour l'hydratation, Lifranox. On dirait le boîtier de l'électricité de chez moi. Oui, ça y ressemble un peu, c'est vrai. Hop. Et enfin, anecdote d'astronomie demandée par Tojido. Game & Watch, ça me parle zéro. Je suis sûr, Linchana, que si tu regardes sur internet Game & Watch, t'en as forcément déjà vu des images un jour dans ta vie. C'est assez spécifique, mais c'est très intéressant. On en était où? Ah, on a les origines du système solaire, je crois qu'on n'en a pas parlé. Le système solaire s'est formé il y a environ 4,5 milliards d'années, à partir d'une nébuleuse composée de gaz et de poussière en rotation, qui, sous l'effet de son propre poids, s'est effondré, constituant ainsi un énorme disque au centre duquel le Soleil est apparu. À l'intérieur de ce disque, un amas de matière solide s'est amoncelé. En entrant en collision, elles ont formé des corps toujours plus gros, jusqu'à atteindre les dimensions des planètes actuelles. C'est au centre de la nébuleuse, là où la température était la plus élevée, que les noyaux initiaux des planètes rocheuses ou telluriques, appelés planétésimaux, c'est moche, se sont notamment formés à partir des restes rocheux en orbite, qui entraient en collision sous l'effet de la gravité. C'est dans le système solaire externe, plus froid, grâce à la présence d'un grand nombre de planétésimaux, que se sont formées des géantes, riches en glace et parfois en épais manteaux de gaz.
quand il parle des géantes de glace, c'est Neptune, Uranus, Saturne. Saturne, c'est plus du gaz. Mais voilà, c'est la formation du système solaire. C'est une petite anecdote d'astronomie. Voilà, voilà. Le Big Bang. C'est pas exactement le Big Bang. C'est bien, bien après le Big Bang, au moment où, en gros, si je te résume ce qui s'est passé, dans l'ordre, t'as eu le Big Bang, ça a créé des choses, notamment une nébuleuse, et cette nébuleuse, en se condensant, a créé le système solaire. Putain, la vache, ça m'a cassé le cerveau, ce combat. Je suis désolé. Je suis resté concentré pendant beaucoup trop longtemps. Waouh. Je dois être trop jeune. C'est possible. C'est possible, c'est possible. Pour les Game & Watch, tu connais Pika Pik? Qu'est-ce que c'est Pika Pik? Fais voir. Mon ordi galère. Pika Pik Game & Watch. Que c'est. Ah, c'est une catégorie de consoles, c'est les consoles repliables, c'est ça? Tu peux jouer à une sélection online. Ah ouais? C'est stylé, hein. Je vous invite à la regarder sur Google. Un petit démix. Démix, j'ai pas envie tout de suite parce que je connais pas encore la strat pour le battre. Quoique, on peut regarder, hein. Je file dodo, merci pour la live. Des bisous Laetitia, j'espère que ça t'a plu jusqu'ici. C'est très très le combat. Hein. Quelle est la strat pour Demix? Est-ce qu'il me donne une stratégie? Pour ce combat, équipez-vous de Ignescence et d'un maximum d'éther. Puis activez les compétences maître des combos. Booster brasier et magnétisme et désactiver les combos aériens sans oublier de placer le sort brasier en raccourci. Lorsque Demix invoqua dès le début du combat ses clones, sautez et enchaînez les attaques dans le vide pour utiliser la compétence magnétisme et vous débarrasser d'un maximum de clones rapidement. Lorsque le nombre de clones invoqués arrive à 50 ou plus, utilisez la fusion sagesse et enchaînez les sorts brasier sous cette forme. Une fois les clones vaincus, vous pourrez attaquer directement Demix. Continuez à enchaîner avec le sort brasier qui se révèle être son point faible. Vous ne pourrez l'achever qu'après avoir vaincu une nouvelle vague de clones. Oh, ça va être dur, Demix. Demix, ça va te reposer le cerveau, tu verras. Tu crois? Je parcours un peu Joe, c'est trop bien. C'est génial, Joe, en vrai. Hein. Pour avoir des recettes faciles, c'est vraiment cool. Il faut un navigateur avec Adobe Flash, le Game & Watch Dr. Slump. Oh! Oh, en vrai, pour mon prochain marathon, une petite session Game & Watch. Si je refais un marathon un jour, bien sûr. Non. Oula, le jeu a failli être inactif trop longtemps. Ok, alors on va tenter des mix. Déjà, je vais aller sauvegarder parce que j'ai battu Sykes et je suis content. Ne le fais pas, enfin, sauf si tu veux vraiment. En vrai, il va falloir que je le fasse à un moment donné, Linchana, hein, tu sais. Une récompense de chaîne chère. Eh, c'est pas bête, hein. C'est pas bête du tout comme idée, Barbu. Ça nous permettrait de découvrir des vieux trucs, vu que j'aime bien le rétro. Alors. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on désactivait tous les combos aériens. Tac, tac. Combo master. Permet d'effectuer des combos avec attaque, même en tapant dans le vide. Ça, c'est cool. Et il parlait de booster brasier, mais je dois l'avoir. Booster feu, je l'ai. Magnétisme, je l'ai aussi. Hein. Magnétisme, je l'ai. Ok. Ensuite... Non, c'est... Si, objet... Il veut qu'on se mette plein d'éther parce que la magie va être très importante.
Comment on fait la recharge? Je sais plus, ça doit être dans la configuration. Configuration Sora. Ether. Ouais. À la place de aimant, je vais mettre brasier. Voilà. Aérien, ça sert à rien. Demix, c'est un petit gars au sol. Bah, ça va alors. Si Sykes te saoule, ça peut être pas opti d'aller sur Demix où il faut être hyper régu. Écoute. Demix, pour le moment, j'ai pas passé la première phase avec ses clones, donc on va tenter, il va falloir qu'on y arrive à un moment donné. Hein. Regardez, il en reste pas des masses. Il nous reste Roxas, Marluxia, Demix, Xaldin, Xemnas et Axel. On en a battu pas mal déjà. Hein. On progresse. Je découvre d'ailleurs ça, c'est vraiment trop bien, notamment une petite salade fraise, orange, framboise. C'est pas de saison. Et pomme qui a l'air trop bon, ça a l'air cool, Erwan. Axel est chill. Axel, j'ai essayé la dernière fois, j'ai un peu galéré parce que il faut résister beaucoup au feu au sol. Ce sera probablement le suivant. À moins que j'ai envie de vraiment buter Xaldin. Il me conseille de mettre Ignescence parce que ça booste le feu. Et au passage, si je veux vraiment être un gros maboule, on va remplacer... Non, on va pas remplacer ça. Ruban bleu. Ruban bleu, je peux booster brasier. En enlevant ruban bleu et poignée de puissance. Ça augmente ma défense. Est-ce que j'ai pas un truc pour booster le feu encore? Si je remets ruban bleu, en vrai... Le truc, c'est que ça me monte pas mal ma défense, donc c'est pas si mal. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Billy? La reine, ouais, c'est chaud. Ouais, un petit peu, hein. C'est un des plus ok sur ceux qui te restent. Je pense que les plus ok, c'est Demix et Axel, ouais. Dans l'ordre, Axel, Demix, Xaldin, Roxas et Marluxia sont à peu près équivalents. Et Xemnas, il est chiant parce qu'il y a deux... Il y a deux phases, quoi. La Jo, c'est quoi? La Jo? Je comprends pas de quoi tu parles, Billy. Est-ce que tu peux faire des phrases un peu plus longues et complètes, s'il te plaît? Ah, Joe! Ah! C'est J-O-W, pardon. Merci, Erwan. Joe, c'est une application sur ton téléphone qui te permet de... comment dire? De constituer des recettes pour faire à manger et de faire tes courses directement à partir de ces recettes. Et du coup, il y a plein de recettes dessus, c'est très intéressant. Si tu fais la cuisine, c'est cool. J'aurais juste pas mis Xaldin derrière Demix, mais je comprends. Xaldin est plus dur que Demix, non? Ou c'est moi qui rêve? J'en sais rien, en fait. Demix, il faut surtout que j'arrive à battre ces... C'est bolos là. Oh, ça marche bien, magnétisme. Ok.
Putain, mais il le fait combien de fois? À quel moment je peux l'attaquer, lui? Ça n'arrive jamais? Merde. Ok. 72 clones, c'est un peu l'enfer. Merde, si je suis en recharge de magie, je peux pas faire magnétisme. Oh non! Merde, bon, je vais crever là. Ok. Ouah, c'est compliqué, hein. Moi, j'utilise mon Alexa pour qu'elle me cherche des recettes, qu'elle m'a trouvé une recette délicieuse de cookies. Oh, c'est trop bien! Est-ce que c'est un plugin que t'as ajouté, Billy? Petit étirement. D'où le besoin de full éther, ouais. Je vois. Ok. Ok, je vois comment ça marche. Je vois comment ça marche. Je vais vraiment me blinder en éther. J'ai vraiment pas besoin de potions là-dessus. Il est chiant, lui, hein. Je vais garder une potion au cas où. Tu vois, il est pas si dur, hormis la partie clone en 30 secondes. Ouais, c'est ça. Pas un plugin, c'est d'office sur la Alexa. Ok. Je vois comment ça marche. Mesdames, messieurs, je vous garantis un démix. Oh mais attends, j'avais pas vu, il y en a déjà plein! Ok, ce sera peut-être pas pour cette fois. J'avais pas vu qu'il était déjà à autant de clones. C'est ma faute. C'est ma faute, j'ai pas fait attention. J'ai pas fait attention. J'ai pas vu son nombre de clones. Ok. Ça va clairement pas être le boss le plus intéressant, mais il est faisable. Ta gueule! Tout le monde te déteste! T'es le pire de l'organisation! T'es minable! Aïe! Ok, tu veux la jouer comme ça, très bien.
Merde, j'avais pas vu. Il fait pas le même nombre de clones dans le même ordre en plus. C'est traître. Putain, mais Donald est mort encore. Allez. Visiblement, il faut que je refasse des clones pour le battre. Je pourrais pas l'avoir comme ça, même s'il lui reste pas beaucoup de vie. Ok. Crève! C'est chiant, hein. Oh, y'en a combien? Y'en a 100! J'ai plus d'éther. Putain, je vais mourir parce que j'ai plus d'éther. J'ai été greedy sur un éther, c'est une blague! Oh non! Oh là 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 là, c'est pas juste! L'écurie a envie de clinquer un dit Alexa, fais-nous saliver en nous donnant une recette de cookies. Ah, tu peux, Vente, hein? Putain, je suis dégoûté. Ok, faut vraiment pas... Je me bourre d'éther, quoi. T'as déjà pensé à faire une boutique? Une boutique de quoi? De... Une boutique de quoi, Billy? J'ai trouvé un granité de grenadine pour cet été, ça va être parfait, trop bien. Et bah, je suis mort comme toi, Linchana. Quel enfer. Je vais faire pipi encore, pardon. Mais je vais remettre un éther supplémentaire et on va l'avoir cette fois.
Yo! Re. Re, re, re. Ce qui m'étonne, c'est que normalement, avec les clones, tu as une commande où tu voles un clone, tu tapes sur les autres, mais toi, tu l'as pas. Ouais, non, je l'ai pas du tout. Peut-être que dans la version Final Mix, il y est pas. Une boutique de vêtements et de peluches comme un youtubeur. Mais tu sais, Billy, je suis un tout petit streamer. Ça coûte de l'argent de faire une boutique. C'est compliqué, hein. Oui, il y a la boutique de Rosa, si tu veux, il y a Crapette, mais c'est une boutique de choses qu'elle crée elle-même. Moi, je n'ai pas les moyens de faire créer des t-shirts ou des peluches, sachant le peu de potentielles personnes qui pourraient l'acheter. Je ne suis que tout petit, mon pauvre Billy. Alexa? Fais-nous saliver en nous donnant une recette de cookies. D'accord, pour Cookie, je vous recommande Cookie Maison sur Marmiton, 25 minutes de préparation pour 4. Que souhaitez-vous faire? Commencez la recette, l'envoyer sur votre téléphone ou entendre la recette suivante? Commencez la recette. Cookie Maison de Marmiton, il y a 8 ingrédients. Souhaitez-vous rassembler les ingrédients ou commencer la recette? Commencez la recette. C'est long. Étape 1, détailler le chocolat en pépites. Une fois que tout est prêt, dites répète ou étape suivante. Étape suivante. Alexa, étape suivante. Étape 2, préchauffer le four à 180 degrés Celsius thermostat 6. Dans un saladier, mettre 75 g de beurre, le sucre, l'œuf entier, la vanille et mélanger le tout avec une cuillère en bois. Si vous voulez que je répète l'étape ou que j'énumère les ingrédients de Alexa, cette étape étape. suivante. Étape 3, ajoutez petit à petit la farine mélangée à la levure, le sel et le chocolat. Si vous voulez que je répète l'étape ou que Alexa, j'énumère. étape suivante. Étape 4, avec une feuille de papier essuie-tout, beurrez une plaque allant au four et formez les cookies sur la plaque. Alexa, étape suivante. Étape 5. Pour former les cookies, utilisez 2 cuillères à soupe et faire des petits tas espacés les uns des autres. Ils grandiront à la cuisson. Trop mignon. Alexa, étape suivante. Étape 6, la dernière étape, enfourner pour 10 minutes de cuisson. C'est facile à faire un cookie finalement. Par contre, ce que je note, c'est que faire des recettes avec Alexa, c'est vraiment pas pratique. Autant avoir une recette écrite sur papier, tu vois. C'est plus simple, hein. Je crois que Alexa a bugué. Je crois qu'elle était en mode trop rapide, le man. Ouais, peut-être, mais je fais des cookies à la vitesse de l'éclair, moi. Mon Alexa a perdu, elle a dit, je ne sais pas, c'est dommage. C'est dommage, mon pauvre Tojido. Bon. Par contre, je me pose une question. Pourquoi il me dit de me mettre en sagesse alors que quand je suis en suprême, je fais beaucoup plus mal? T'es même pas obligé de les laisser poser. C'est vrai. Faudrait clipper pour la garder de côté. En vrai, je pense que sur Joe ou sur Marmiton, j'aurais la recette écrite et j'aurais pas besoin d'une Alexa. Mec qui fait des recettes via un clip, c'est compliqué. Et bah bon appétit à celles et ceux qui font des cookies. Allez, on y croit, les amis. Cette fois, c'est la bonne. J'espère. Je suis tranquille, j'ai Google, la chance. À chaque fois que je joue avec ma Alexa, ça t'embête pas, Erwan. J'ai failli pas y arriver.
Non, je l'ai eu, il est mort, regardez, il est mort! Pourquoi le jeu, c'est méchant! Oh non! Quand il n'y a pas beaucoup de clones, t'es pas obligé de claquer des éthers. Oui, c'est pour ça qu'il me demande de passer par magnétisme. Tant qu'il y a moins de 25 clones, ça passe. C'est pas grave, Erwan, t'étais au taquet, c'est gentil. Mais là, c'était pas juste. C'était pas juste. Ce combat est pas dur, il est juste ultra pénible en vrai. Oh non! Encore? Crame! Crame, tête de cul! Je vais pas y arriver, je pense. Putain! Ils m'aident pas! Je vais crever. Encore! Putain! C'est si dur! Je crois que j'ai compris pourquoi il veut que je fasse sagesse plutôt que suprême. C'est parce que suprême consomme plus de jauge de flux, du coup je peux le faire moins souvent. Je pense que c'est ça. On va essayer ça. Ça va le faire. Il y a beaucoup de choses à penser en fait. Il faut que je pense que je ne peux pas faire mes combos aériens avec magnétisme. Si j'ai pas ma magie disponible déjà. Oh merde! J'étais à court de magie. Oh là là! Les fusions basiques, c'est cool, mais une fois, je me suis retrouvé avec une non-forme paye ton combat. Ah ouais, non, chiant.
Ça m'arrive plus trop souvent depuis que j'ai débloqué Suprême, mais ça arrive des fois, c'est trop pénible. C'est dommage, ce boss-là, il est juste pas marrant, quoi. Il y en a d'autres qui sont un peu marrants, tu vois. Au moins, Sykes, il y avait un petit peu de défi. Là, il est juste pas marrant, quoi. Il y a une strat extrêmement précise pour y arriver. Et c'est tout, quoi. J'aurais pas dû faire ça. J'ai gâché un éther, là. Je m'attendais à ce qu'il fasse les 72. Il va les faire maintenant. Je me sers un peu de mon absence de magie pour lui faire des combos infinis. C'est pour ça que je lui fais pas brasier pour le moment. Ok. C'est les 100, c'est pas les 100. Là, c'est les 100. Putain, j'aurais dû faire suprême là pour le coup. Allez. Yes! Oui! Ça dégage! Barre-toi des mix du cul! Oh! T'es nul! Tout le monde te déteste! Va-t'en! Ah, merci. Un de moins, les amis, un de moins. Un de moins. Ça fait déjà deux boss de torcher ce soir, c'est cool. On peut essayer Axel, du coup. Voici un combat rapide, mais qui peut s'avérer difficile.
non pas à cause de votre adversaire, mais plutôt à cause de l'arène. En effet, lorsque le sol est en feu, vous perdez de la vie en continu, et il est impossible d'achever votre adversaire. Merci Linshana. C'est le pipou, ouais. Le seul moyen de cesser cet effet est d'utiliser les commandes réaction contre Axel. Après un combo contre lui, Axel disparaît hors de l'arène avant de foncer sur vous, faisant apparaître une commande réaction. Excepté ce point, le combat reste le même qu'avec Roxas, si ce n'est qu'il est plus simple grâce au sort miroir, à vos fusions et vos compétences acquises depuis. Pour vous faciliter la tâche, utilisez la forme souvenance lorsque vous utilisez celle-ci. Les commandes réaction de vos attaques spéciales vous permettront de regagner de la vie tout en engendrant des dégâts importants. Ah oui, et puis je suis tout seul en plus contre lui. Là par contre, je vais me blinder la gueule en potion plus. Vu que je suis tout seul. Et un élixir. Allez. Et pas ignescence, mais plutôt ultima. Je vais garder ma résistance au feu. Putain, en fait, j'avais mis de la résistance au feu. Mais c'est pas de la résistance au feu qu'il me fallait. Là, ça va être utile. Ok. Allons-y, croyons-y, les amis. Est-ce qu'on va s'en faire un troisième? Merde. Ok, je me suis fait défoncer.